Et bonjour à tous. Donc, présentation d'un album aujourd'hui, enfin plus que d'un album, présentation d'une découverte. Cet album, Paris MoZ. Donc, je vous avais dit dans une vidéo précédente que je vous le présenterai à part. Donc, il date de 2008, cet album. Et ce qu'il faut savoir, il est sorti en 2006, un album pratiquement identique pour les 20 ans. Du début de Dragon Ball, du coup, donc 1986. Sauf que ici, il y a un petit écusson en plus qui a dit que 20 ans anniversaire en doré. Donc, ça, c'est l'album de 2006 pour les 20 ans. Celui-ci est sorti en 2008. Donc, moi, j'ai la version 2008 sans l'écusson. Visuellement, on a exactement la même image, mais c'est une petite précision par laquelle je voulais commencer. Donc, trouver un vide-grenier, bien sûr. On trouve envie de grenier dès qu'on trouve un nouvel album qu'on possède pas, on est très content. Surtout si il est un petit peu ancien, là je pense je l'ai trouvé dans les années 2010, 2012, j'en sais trop rien en fait. Mais il avait déjà quelques années du coup. C'est du Dragon Ball, parfait. Donc les points positifs commencent à s'accumuler. Il est en très bon état, voilà. Donc ça, encore un point positif. Et c'est pas fini. À l'intérieur, donc, des images déjà collées. Et même beaucoup d'images déjà collées. Voilà, on passe là-dessus sur le milieu, on regardera après. Là, c'est le petit dépliant fascicule. Donc ça, c'était dans la... Ça, ça se retrouve peu parce que ça concerne pas l'album. Le petit dépliant publicitaire de l'époque, donc il était encore dans l'album, voilà. Bon, ça, c'est pas grand chose, mais c'est quand même bien de l'avoir eu. Donc à l'intérieur, beaucoup d'images de collées. On trouve des choses habituelles des albums Dragon Ball, Dragon Ball Z, des images assez grandes, plus grandes que ce qu'on peut trouver ailleurs. Voilà, petite partie sur celle. Donc beaucoup d'images de collées, il en manque moins d'une dizaine. C'est surtout des brillantes qui me manquent. Elles étaient beaucoup plus rares que les autres images, ça je me suis rendu compte après. Donc déjà, beaucoup de points positifs, c'est du Dragon Ball, l'album avec quelques années. Il est en bon état. Il y a déjà beaucoup d'images de collées. Par contre, je ne pourrais pas vous dire combien ça m'a coûté, je ne me souviens plus du tout. J'aime bien cette page-là sur Trunks, le visuel là, excellent. C'est le personnage préféré d'ailleurs de beaucoup de gens. Donc beaucoup de points positifs et ça ne s'arrête pas là. Au milieu de l'album, on va trouver, qu'on va déplier ici, le poster du milieu qui a été conservé, il n'a pas été retiré. Donc là, les points positifs, il y en a quand même pas mal. On le déplie, voilà, donc il se déplie ici uniquement à la verticale, voilà. Donc c'est bien un poster détachable, si vous voulez vous le détacher, vous l'accrochez quelque part. Et il manque deux images, donc... J'espère pouvoir les récupérer pour pouvoir le compléter. Donc très sympathique. Alors on peut dire que c'est deux images, vous avez le haut aussi sans Goku. Et le bas ici avec la team des guerriers Z on va dire. Donc le poster à l'intérieur avec des images en très bonne qualité, il n'y a rien qui est abîmé. Il manque que deux images pour le poster. Donc trouver ça c'est exceptionnel parce que c'est autant de points positifs. Pour une trouvaille d'un album au vide-grenier, c'est tout simplement incroyable. Si vous voulez voir l'intégralité de l'intérieur, je le mettrai en vidéo avec un petit thème musical sympathique, je ne sais pas encore lequel, sur ma chaîne secondaire que je vous mets en description, que je consacre depuis 10 ans uniquement à montrer l'intérieur de ma collection d'albums Panini. Donc je mets ça en description, vous pourrez voir la qualité de l'intérieur de ce que je possède sur cet album là et sur d'autres. Celui-ci, c'est celui-ci, et vous ne le voyez pas apparaître quand cette vidéo sort, c'est qu'il sortira quelques jours après. Mais c'est pas tout ce que j'ai trouvé du coup, donc j'étais déjà très 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 content avec cette trouvaille là. Donc cet album, déjà j'étais déjà bien bien ravi. Il y avait un gros paquet d'images du coup, donc des doubles, voilà, parce que j'ai pas regardé pour essayer de les coller dedans,
mais ces images-là sont déjà toutes présentes. Donc, il y en avait même un petit peu plus, parce que depuis que j'ai commencé les échanges sur Panini Mania, j'en ai changé quelques-unes, dont des brillantes. Et donc, j'ai beaucoup, beaucoup d'images de cet album. Voilà. En plus d'avoir un album quasiment complet, le poster, dans lequel il manque que deux images, tout est en excellent état. Beaucoup, beaucoup d'images en double. Donc, j'ai vraiment des découvertes comme ça, j'en ai fait peu. Hein. Trouver tout ça au même endroit. Voilà, donc tout ça d'images, il y en avait beaucoup. Voilà, un album quasiment complet sur une série Dragon Ball Z, du coup bien sympathique. En très bon état, avec le poster, beaucoup d'images dedans. Un tas d'images en double, franchement, des trouvailles comme ça, j'en ai fait très très peu, de cette qualité-là. Voilà, c'était pour ça que je voulais vous montrer, à part cet album-là, de Dragon Ball Z de 2008, parce que vraiment c'était une trouvaille extraordinaire pour quelqu'un qui aime bien collectionner les Panini. Trouver ça en vide-grenier, c'était vraiment un gros coup de chance et je ne regrette pas d'avoir été en vide-grenier ce jour-là. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.